Coucou les budgétaires et les budgéteuses, bienvenue sur ma chaîne Mel Budget où on fait son budget avec la méthode des enveloppes pour faire un max d'économies en début de mois si on peut ou en fin de chaque semaine quand on fait le bilan. Et là aujourd'hui c'est pas vraiment un bilan, c'est la clôture du mois, donc je vais vérifier tout ce que j'ai mis dans mes déficits ce mois-ci si je ne me suis pas trompée. Donc je recompte tout et je remets en banque au lieu d'aller retirer des sous quand je vais avoir ma paye. Alors je vous tourne le lundi 26 août parce qu'il fait pas beau et demain et après-demain il fait un temps magnifique, donc je vais avoir envie d'autre chose que de tourner cette vidéo. Et pareil, mon budget, je pense que je le tournerai jeudi et vous l'aurez dimanche, et cette vidéo vous l'aurez mercredi. Donc du coup on va faire le bilan du mois, la clôture du mois et voir ce qu'on peut remettre en banque dans tous les petits défis. Alors, s'il y a 4 euros qui traînent là, c'est parce que j'ai vendu une planche en bois mélaminé que mon ancien propriétaire m'avait laissé découper et tout ça. Et donc, je l'ai vendu 3 euros hier. Et je suis allée au cinéma hier dimanche, voir jamais, attendez, jamais plus. Ça y est, je l'ai, j'ai le ticket de cinéma juste à côté de moi. Jamais plus. Je me suis pris mes petits pop-corn. Donc, je me suis fait un petit virement de 20 euros. Je n'ai pas noté, je vais regarder dans quelle épargne on va prendre ça. Et du coup, après, je suis allée au Starbucks. Donc déjà, le film magnifique, j'ai adoré. Super bien adapté par rapport au livre de Colleen Hoover, parce que une adaptation du livre de Colleen Hoover. L'actrice Blake Lively, magnifique. Enfin, j'ai versé ma petite larme toute seule au cinéma. Parce que je suis allée toute seule. Hein. Moi, j'ai au cinéma, on s'en fiche un peu, on ne parle pas. Donc bref, après, je suis allée me prendre mon petit café à 16h, parce que j'y suis allée à 13h30 à 16h, au Starbucks. Et puis, j'ai eu un rendu de monnaie, vu que j'ai fait l'appoint en caisse. Donc du coup, le petit défi de Céline, de sa carte de remerciement, je vais le faire dans cette pochette-là, parce que ça rentre pas dans les autres pochettes, mais je vais le faire dès maintenant. Et j'ai 4 euros, donc on va pouvoir commencer avec cette petite tache là. Et je le trouve trop mignon et trop kiki. Et puis quand il sera fini, bon, ça ira en épargne. Donc déjà, il y a 4 euros là-dedans. Voilà. Ensuite, on va se faire un petit bilan des économies du mois. Donc du porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, j'ai économisé 78. Alors, j'ai utilisé énormément mes billets de 5 ce mois-ci. 149 plus 112. Donc du coup, j'ai quasiment pas touché à mes enveloppes. Donc c'est pour ça que c'est trop bien d'avoir les billets de 5 l'été. Donc 429 euros. Et mais en bonus, donc ça c'est les applis de cashback. Je n'ai toujours pas eu pourtant c'est en cours, hein, j'ai bien eu le mail et tout, hein. Le cashback de Poulpéo, j'attends pour pouvoir me faire mon virement, mais bon, tant pis. Plus 100 euros, c'était mes livraisons, et 90 euros, c'était YouTube. Donc 240 euros en bonus. Donc plus 429, ce mois-ci 669, 669, c'est bien ça. Donc ça, hop, on dégage. Excusez-moi du terme. J'ai la monnaie qui m'avait. Je me souviens plus c'est qui m'a dit j'adore trop tes expressions. Genre la meuf, elle sait pas où elle a mal. Tu vois? Bah ouais, moi j'adore les expressions un peu loufoques. Et puis, comme dit Pamela dans sa dernière vidéo, moi, mon but, comme elle, c'est de faire son budget, d'apprendre à gérer son argent, mais c'est surtout de rigoler, de passer un bon moment ensemble. Voilà, quoi. C'est le leitmotiv de ma chaîne. Donc, la calculette, je sais, j'en aurais peut-être besoin après. On va la laisser là. Le mois d'août, il va pouvoir retourner dans sa petite. Donc j'ai ma paye. Je pense que je vais faire mon remplissage pour la première semaine. Parce que demain, si je veux aller à la piscine ou quoi. Je pense. Donc, moi en cours. J'ai pas fait mon budget, hein, du coup, hein, vu que j'attends ma. Moi, je le fais toujours en réel avec la paye. Donc voilà pour le mois d'août. Pour l'instant, ça reste comme ça. Bon. On va juste. Alors, où est-ce que je prends le ciné?
Alors, ciné, ciné. Parce que du coup, sur mon compte, il me restait 10 euros alors qu'il était censé me rester 37. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Bah, tiens, bon, on va le prendre dans divers. Comme ça, on prend un... je me suis fait un virement de 20 euros. On prend un billet de 20 euros. Hop. Donc, on a dit retrait 0,8. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écrit. Retrait ciné moins 20 euros. Alors, si je coupe, c'est que j'attends un appel important, mais normalement, j'ai le temps de tourner la vidéo largeur. Et après, je vais chercher les croquettes de ma chienne, parce que je vous tourne assez tôt le matin, là. J'ai même encore mon petit café avec moi. Tada. Ouais. Donc, ça, j'en aurais pas besoin. Ça, on va pouvoir pousser, parce que sinon, vous êtes mal cadré. Comme la dernière, encore la dernière fois. Déjà un problème, mais c'est parce que ma table, elle n'est pas très. Elle est pas très grande. Donc il me reste 20 euros dans divers. Voilà. Ah oui, puis ça, il faut le remettre. Je le fais tout de suite, sinon je ne le ferai pas. Hein. Sachez-le. Et après, on clôture les défis. On voit ce qu'on peut remettre en banque. Les défis finis et les défis qui ont atteint 50 ou 100 euros. Je vais voir. J'ai pas fait le bilan des applis. Il faudrait que je me note combien j'ai fait sur Shopopop et pour Hyper Shopper parce qu'on a un montant à respecter pour pas être imposable. Mais je le ferai hors caméra. Alors, c'est parti. Donc déjà, le défi d'Agnès. Je l'avais vidé, j'avais pris les 50 euros pour m'acheter des livres. Donc j'en ai eu pour 58 euros parce que j'ai pris la carte Fnac. En fait, vous savez, je me suis fait engrainer par la vendeuse. Elle m'a dit comme ça, vous avez 5% sur tous vos achats de livres. Et j'ai dit, bah, vu que j'achète tout le temps mes livres là-bas, j'ai dit, banco, donnez-moi la carte. Et j'ai eu 5% sur tous les livres que j'ai achetés. J'en ai acheté 5. 5 ou 6, je sais plus. Donc, Agnès, pour son nouveau défi, nous en sommes bilan à 2 euros. C'est un bon début. C'est un bon début. Voilà. Angeline. Donc, j'ai préparé les nouvelles cartes. Et du coup, Angeline, je vais commencer son défi café. Je les trouve magnifiques et je m'étais dit, est-ce que je le commence en janvier ou en septembre? Mais j'ai envie de le commencer en septembre. Donc, du coup, j'ai préparé des nouvelles enveloppes. Donc, Angeline, j'en suis à 25. Et donc, il devait y avoir une carte à 10 et une carte à 15. Donc, on va mettre la carte de septembre. Il y a des 50 centimes là. Qui est à... Bon, on verra bien. On verra bien. Et je vais rajouter une pochette. C'est que je les ai mises. J'en ai pris quelques-unes. J'espère que je vais en avoir assez. Pour ajouter son défi café. Donc, ça a un défi à gratter. Je vais vous montrer. Donc, je vais le mettre en premier parce que les sommes sont plus importantes. Voilà. Son défi café. Donc ça c'est septembre. Est-ce que j'ai les autres pas loin? Je le trouve magnifique, magnifique. J'adore gratter, donc voilà. Octobre, novembre. Vous pouvez le trouver sur son drive. Hein. Moi je les ai faites moi-même. Je pique sur les drives des copines. Janvier, février, mars, avril, mai. C'est ma préférée évidemment. Vous savez, je précise encore pourquoi. J'adore le rose. Juin aussi, elle est belle. Juillet. Et puis août, elle est magnifique aussi. Donc voilà. Donc je vais faire ce défi-là de septembre à septembre comme les parfums de Céline. Donc voilà. Une des nouveautés parce que j'adore le café. Le café, c'est la vie. Donc on verra si je le gratte au budget et que je le remplis au budget ou si je le remplis au fil du mois. Donc voilà. Donc Angeline, j'ai ces deux défis-là. Est-ce que j'ai changé la carte? Oui, c'est bon. Et j'ai 50 centimes dans mon porte-monnaie au lieu de les dépenser. Ah non, je n'ai pas 50 centimes. Je les ai dépensés ou pas? Non, je les ai. On va les mettre. Hop. Comme ça c'est déjà fait. Parce que si j'ai pas 50 centimes, là, regardez, il y a un petit 50 centimes. 0,50 centimes d'euros. Comme ça, je pourrais arrondir avec les autres sommes.
Donc voilà sa petite carte du mois de septembre. Ensuite, Auré. Alors j'ai décidé d'arrêter les petits chats et de reprendre Mel Budget. Il me manque trop mon défi Mel Budget. Donc je reprends les sous. Je ne sais pas où je vais les mettre, mais regardez. Non, il est trop beau, je suis obligée de le remettre. Ça me manque trop. Donc j'ai combien là-dedans? 15, 16, 19, j'ai 20. Bah, je vais barrer le T. Allez hop. Je vais faire en rose parce que d'habitude je fais tout le temps en rose. Et ça y est, tout est parti en cacahuète. Donc 20 euros. Hop. Ah ouais, j'avais trop envie de le remettre. On fera les petits chats plus tard. Donc hop. 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 Donc je pousse mes petits chats. Alors, Betty, du coup, c'est 20 euros. Et c'est pour remplir mon fonds d'urgence. Mais j'ai décidé d'arrêter les cartes du mois. Désolée ma Betty, je t'adore. Peut-être je prendrai tes multicartes à la rentrée, je vais voir. Moi aussi, j'arrête les défis de Bibi. Donc, j'ai 30 euros. Donc, c'est pour mon fonds d'urgence. J'arrête les défis de Bibi. Hop. Donc, du coup, on a déjà 50 euros à remettre en banque. Hop. Je note plus par catégorie, parce que je vais faire ça quand j'ai ma paye, je vais faire les virements là où il y a besoin. Donc blush, pareil, je cumule. Donc j'avais terminé la carte 8. On va pouvoir passer à la carte 9. Sur le thème un petit peu de l'automne. Même si en septembre, hein, en général, l'arrière-saison est belle. Donc Céline, j'ai déjà préparé sa petite pochette pour mettre. J'ai choisi celui-ci. On va mettre le parfum du mois. Voilà. Alors, ici, il faut que je compte à combien on en est. Parce que j'ai plus de ligne. Donc, si je veux traquer, il faut que j'efface là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95, 97 euros. Attendez, je reviens. Hein. Je fais comme Pamela, je disparais. 97. Donc 0,8. 97 euros. J'ai trop hâte de savoir à combien il est au total ce défi. Donc je remets dedans. J'ai même pas regardé si je m'étais trompée ou pas. Ensuite, le tranquillou. Je dois avoir 56 dans l'enveloppe. 1, 2, 3, 4, 5, 52, 53, 54, 55, 56, c'est bon. On est bon. Ah oui, je vais le faire tout de suite. Ici, il y a plus de 100 euros, donc quand il y a 100 euros, ça repart en banque. Je vais quand même noter de quel défi ça vient. Donc, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alors. Faisons les choses bien. Voilà. Défi de la Mia. Tac. Donc. Hop. Ah, j'avais pris dans Elena pour mettre dans mon fonds d'urgence. Ok. S'il manque 50 euros dans Elena, on saura pourquoi. Donc, fonds d'urgence. Avec les défis de Betty et le mien, 50 euros. 50 euros. Le défi 1000 euros de la Mia, il y a 100 euros qu'on remet en banque. Donc j'en suis à 150 euros. Voilà. Le reste, pour l'instant, tranquille, même ça dépend, ça dépasse de 50. Mais bon, pour l'instant, je garde. Alors, Maître Capello, il y a bien 8 euros. 2, 4, 6, 8, ouais, c'est bon. Et j'ai 40 euros du précédent. Alors, celui-là, j'en suis à combien? Déjà, on va enlever Rosalie. J'ai regardé sur Renesmee, j'en étais. Ah, j'ai regardé, mais je m'en rappelle plus. Elle est où la petite. Ah oui, c'est dans les défis finis. Y en a de partout, il y en a de partout. Les défis finis. Alors, Renesmee.
Alors j'enlève aussi des défis parce que je compte faire moins de livraisons. Parce que j'en ai moins envie. Donc voilà. Elle est là, la petite mère. Donc ce défi, j'en étais à 135 euros. 135, 135, tu n'oublies pas, tu n'oublies pas. 135. 135 plus 25. On en est à 160 euros. Et j'ai choisi Jasper. Merci à toi de m'avoir dit son nom. 160. Mais j'ai déjà dû en mettre en banque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je ne sais pas combien j'ai mis en banque. Apparemment 90 euros. C'est bizarre. Mais bon. Je sais que j'ai fait la carte. Donc je mets Jasper. Voilà, Rosalie. Au revoir. La carte de Flo de la gymnaste, on l'avait terminée. Voilà. Donc je vais mettre le petit bonhomme. Et Flo, on en est à 15, 16 euros. 16 euros. Dans son défi. Donc le monde de Flo, en fait, c'est le chiffre 2 hein, pour bien trouver sa chaîne. J'ai un abonné qui m'a demandé. Donc il est là, normalement, je suis à 89. Donc là, il y a 1 euro. 2 euros. 4 euros, donc 9. Et ouais, c'est ça. J'ai mis 50 en banque, mais je n'ai pas encore fait le virement, vu que je n'ai pas reçu tout le POG. Par contre, j'ai reçu Joko, mais il manque 10 balles. Donc, je sais pas. Je sais pas. Jour férié, on a pour 100 euros là-dedans, on a 35. Ok. Les défis de Kelly, une étudiante d'hier, son budget. Il m'a coûté bien cher, 25 euros. J'espère celle-là. Alors j'ai choisi celle-là. Donc c'est les Bratz, je crois. Non, non, My Little Pony. My Little Pony. 1, 2, 3, 4, 5, 65. On démarre le mois à 65 euros. Hop. Comme ça, c'est bon pour ce classeur-là. Je renlèverai l'un d'autre. Alors. Allez, va à ta place. À ta place. Dans les copines budgéteuses. Donc, j'ai pas 100 euros parce que j'avais déjà mis sur les 175 100 euros en banque. Donc, je vérifie 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 5 qui font bien 75. Donc, on remettra en banque plus tard. J'ai oublié de gratter la mienne l'autre jour. Donc, prochain bilan, je gratte la mienne. Donc, on en a à combien? J'ai noté 24. C'est. Ah, bah non, c'est pas bon. 2, 25, 26, 27, 28, 29. J'ai oublié le 5 euros qui était là. Voilà pourquoi je recompte à la fin du mois. Hop. Voilà. Ensuite, Linda, on va changer sa carte. J'en suis à la 11, parce que je veux l'avancer, je vais remettre les prénoms. J'hésite à remettre Joy. Et là, il y a du bif. Hein. Donc, on va remettre en banque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 145. Donc, on va remettre 100 euros et on va laisser 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 euros. 1, 2, 3, 4, 145. Je vais me le noter là. Bon, c'est pas le total du défi, hein, parce que j'ai pas traqué. Hein. Et je remettais en banque dès que j'avais 100 euros. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Donc je vais noter juste Linda. Tac. 100 euros. Donc j'en suis à 250 euros que je n'ai pas à retirer. Voilà. Alors, tiens, comme je vais mettre celui de Céline de mon signe astrologique pour l'instant, j'alternerai avec celui de Linda Budgetise. Donc, j'ai 40 euros à remettre en banque pour ce défi-là, puisque je l'arrête. Enfin, il est fini, puisqu'il est fini. Je vais mettre elle, bise, Budgetise, plus 40. Donc, j'en suis à 290. Voilà, et je le reprendrai, hein, parce qu'il est trop beau, hein. Les billets de 5, bah, ils se trimballent partout, mais pas.
mais pas là. Et là, pareil aussi, j'ai que 50. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais les remettre en banque parce que j'en suis à 400. Donc, je vais mettre le safety. J'avais dû les remettre 50 en banque avec mes gains. Safe 600 plus 50. Donc, on en est à 340. C'est bien parce que j'ai un plafond de 300 euros pour retirer. Donc, c'est bien de pouvoir. Ah, ce défi-là, c'est bon. J'ai 100 euros et on va pouvoir le changer. Et mettre la Martinique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ma petite MB, Madame Budget. Plus 100. Donc, 440. Hop. Et en plus, j'ai décidé de faire mes courses en cash ce mois-ci pour aller un petit peu où je veux. Donc, c'est nickel. Donc, je vais prendre la Martinique. La Martinique, la Martinique. Alors, ça, c'est les défis. C'est l'initiative. Ah, j'ai pas mis en place mon signe astro. Attendez. Scorpion. C'est celui-là que je vais faire en premier. Et son parfum. Donc. Allez, on met Madame Budget, là. La Martinique. Donc, c'est un petit puzzle coloriage. Pour. Pas, on verra. Mais à mon avis, pour moins cher que le ravissant. Parce que ça fait longtemps qu'on est dessus. Hein. Ça faisait longtemps qu'on était dessus. Mes neveux sont bien arrivés. Ils ont bien atterri. Donc, voilà. Natou, j'ai fini son défi. Donc, on va le remettre en banque aussi. Donc, à 81 euros. Par contre, bah, du coup, les 1 euro, je vais les remettre en banque. On va voir où je les mets, où je les mets après. Donc, normalement, là, j'ai 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. Donc, ça, je vais le mettre dans l'autre classeur après. Et pour l'instant, je ne sais pas si je refais un autre défi de Natou, comme je vais avoir moins de. Donc, attendez. Natou. Plus 80, donc ça fait 520. Ah, c'est bien, je vais pas avoir beaucoup à retirer. Hop, donc ça de côté. Donc pour l'instant, je sais pas si j'enchaîne avec le. J'ai encore le licorne et les chiens. À voir. Donc les 1 euro qui me restent, je vais les mettre dans Pamela. Il y a 1 euro? Ouais, il y a 1 euro. Comme ça. On ne se prend pas la tête. Et j'en suis à 3 euros dans celui-là. Et on va remettre en banque les braqueuses. Parce qu'on a fini les braqueuses. Et je l'avais arrondi à 60. Et on fait le bouquet de fleurs. J'hésite à mettre les. Non, je commencerai en janvier. Les besties. Parce que je sais que c'est un défi qui est plus important. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc. Pam, plus 60, 580 euros. Il y a du bif, il y a du bif là-dedans. Voilà. Soleil, j'en suis à 10 euros, plus les 20 euros de l'ancien défi, hein, de l'arbre de vie, que j'avais terminé à 220 euros et j'avais remis 200 en banque. Voilà. L'arbre de Noël, j'en suis bien à 30, hein, parce que de toute façon, j'avais juste transvasé le défi 2024 dans l'arbre de Noël. Ah ouais, j'avais dit que j'arrêtais. Ouais, je vais arrêter les défis du mois. Hein, parce que je peux pas tout faire. Donc, on va pouvoir mettre cet argent autre part. Voilà. Autre part. Est-ce que ça arrondit si je le remets en banque? Ouais. Moi, je vais prendre les 20 euros. Et là, ah oui, il y avait 10 euros pour que je mette dans Vapo. 2, 4, 6, 8, 10, 20 euros. Donc, je vais faire Solae. Plus 20. 600. Comme ça arrondit. Parce que Virginie, Vanessa et Virginie, j'ai pas. Donc les 10 euros que j'ai, on va voir. Bah, on va les mettre dans le scorpion. Vu qu'il est là, est-ce qu'il y a 10 euros? Ouais. Par contre, je vais peut-être faire des. Mince.
quand même bonne couleur. Je vais peut-être faire le 8 et le 2. J'aime bien garder les chiffres ronds. J'ai pas de pièces. Et donc j'en suis déjà à 10 euros. Donc c'est pour combien celui-là? 100 euros. Impeccable! Pour mon anniversaire au mois de novembre, je suis, parce que je suis scorpion, je pique. Je pique. Donc je vais le mettre dans le classeur après. Donc là, on est à 600 euros. Vanessa, on va juste changer la petite carte de mon petit bichon. Donc ça, c'est pour Joy. Hein. Donc, et on met la petite carte de septembre qui est trop mignonne. Et on en est à combien là-dedans? 1, 2, 3, 40 euros. 40 euros. Je vais l'écrire derrière. Voilà. Comme ça, on sait où on en est. Voilà. Et le dernier, Virginie. Donc, c'est là que normalement, j'avais mal compté, mais ouais, j'avais mal compté. Enfin, j'avais oublié de. J'en sais à combien du coup? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 55, 56. Et non 45. Donc, j'avais oublié un endroit. Celui-là, le 6 euros. Donc 56 euros sur 80. Voilà. Impec. Donc ça, c'est bon. Donc voilà mes défis pour le mois, pour les prochains mois. On va pas les changer tous les mois. Donc Céline, le signe astro, je le mets là. Hop. Et voilà. Donc, on va juste vérifier qu'on a bien 600 et après, et avec les 10 euros qui sont là, que je vais mettre dans l'enveloppe Vapo. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 401, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec les pièces. 600, c'est bon. Bon, je connais le budget de ma première semaine, donc bon, je vais la remplir maintenant. Tant pis, ça me fera une semaine un peu longue, mais tant pis. Parce que demain, je vais avoir envie de faire autre chose que d'aller m'acheter mes Vapo, même s'il m'en reste une fiole. Donc, les 10 euros dans Vapo, on remplit pour la première semaine. Par contre, vous aurez le bilan le dimanche, pas là, celui d'après. Les courses, on va se mettre, c'est 70. Donc, on va se mettre, quoique Mel, c'est 20. Donc, je vais mettre comme ça. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Please rentre. Please rentre. Ça va. Quand je vais vouloir le rouvrir, ça va galérer. Donc, mets le 20. Hop, au cas où 10. Divers 20. J'allais chez Action, hein, Linda, j'ai regardé le haul de Linda. Je veux trop les petites citrouilles en céramique pour décorer chez moi. Pas forcément pour mon setup YouTube, mais pour décorer chez moi. Parce que je les trouve trop belles. Soit en rose, soit en blanc. Ou en verre d'eau, évidemment. Et sorti 30 euros. Tuc. Donc quand j'aurai ma paye, il y a 600 euros que je vais virer sur mes. Au lieu d'aller les retirer au guichet, ils sont là. Et je vais faire un virement vers mes livrets d'épargne. Voilà. Voilà comment je fais pour ne pas avoir trop de cash à la maison. Zombie. Comment je parle? Comment je parle? Ensuite, bon, on va mettre pour Joy. Hein. Tu vas avoir besoin de petits bonbons. Elle a plus de petits bonbons. Et santé 10.
Comme ça, c'est fait la première semaine. Raison, ça change plus. Hein. Pour l'instant, je reste comme ça. Et ça, je peux tout effacer. On verra le jour de ma paye. Combien il me reste en banque, je le virerai dans une épargne. Je vous dirai ça quand on va faire le budget. Jeudi, je pense. Parce que, ouais, demain mardi et mercredi, il fait 26 degrés. C'est très rare. Allez, on efface tout. Et on recommence pour le prochain mois. Voilà, messieurs, dames. Voilà les budgéteurs et les budgéteuses. J'espère que cette petite clôture du mois vous a intéressé, vous a montré un petit peu comment je faisais pour remettre en banque et qu'on a passé un bon moment ensemble. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous les budgéteurs et les budgéteuses.